Salut tout le monde, c'est Cypher et on se retrouve sur Atelier Risa 2 pour une petite vidéo pour vous montrer comment vous craftez une arme assez pétée en termes de statistiques. Alors, je n'ai pas pu moi me faire une arme extrêmement pétée parce que je n'ai pas le temps de, en ce moment de farmer les composants synthétiques qu'il me faut pour vraiment me faire une arme overcheat en termes de stats, mais je connais maintenant la méthode parce que j'ai expérimenté. Et je vais pouvoir vous l'expliquer pour que vous, si vous vouliez le faire et si vous avez le temps de le faire, vous puissiez vous faire une arme aux statistiques complètement broken. Alors, je vais déjà vous montrer ce que j'ai réussi à faire moi à mon petit niveau. Je l'ai fait sur l'arme de Risa, l'arme principale de Risa. Là. Voilà. Qui est la rêverie scintillante. Donc, vous voyez que il y a plusieurs choses sur cet objet. C'est qu'il est niveau 4, alors qu'une rêverie scintillante à la base on le fait au niveau 43 je crois, minimum. Qu'elle a des stats quand même qui sont pas mal, attention c'est pas des stats pétées, hein, mais c'est des stats qui sont quand même pas mal. Si on prend par exemple l'arme de voilà, de Tao, vous voyez que ces stats c'est pas du tout les mêmes. J'ai réussi à booster l'attaque parce que je suis allé voir Denis, que j'ai fait des associations etc machin, mais l'arme elle est niveau 96. Et en PV, en def, en vitesse, c'est complètement pourri quoi. Et pourtant, voilà, il a quand même une arme de rang S. Alors que quand vous prenez l'arme de Risa, vous voyez que le minimum de stats, c'est quand même 100 quelque chose. C'est différent. La qualité est au max et elle est que niveau 4. Donc ça veut dire qu'elle est en plus augmentable. Ok. Donc tout ça, c'est important. Cette méthode s'applique à tout ce que vous pouvez équiper. Donc les armes, les armures, les accessoires, tout ce que vous voulez. Ça marche aussi, ok. Donc, comment qu'on fait pour avoir une arme comme ça, même meilleure que ça, parce que moi là c'est vraiment juste un essai, mais vous pouvez sûrement aller chercher des statistiques bien meilleures que ça. Moi je l'ai testé juste pour voir si ça marchait, etc. Je suis pas allé très loin dans l'expérimentation. Le plus important de toute façon c'est la méthode. Vous avez la méthode, après vous pouvez prendre votre temps pour vous faire une arme spécifique avec des statistiques bien supérieures à la mienne. Donc il faut plusieurs prérequis déjà pour faire ça. Il faut forcément avoir débloqué, soit avoir débloqué tous les patrons d'armes, okay, que vous voulez, soit savoir déjà à l'avance ce qu'il va vous falloir comme composant pour arriver à cette arme-là, et les farmer. Je m'explique. Hop. Vous voulez vous faire le bâton de Risa, le dernier bâton de Risa. Ok, on va commencer par la méthode normale. Quand vous voulez synthétiser un objet, vous venez ici, vous allez sur la synthétisation d'équipement, vous allez chercher... Quand vous êtes en train de faire votre aventure, hop, je peux faire le véritable bâton artisanal de Risa, c'est cool. Il me demande tant de composants, d'accord. Et je vois que, ah bah tiens, si j'ai du Startium, j'arrive à me faire finalement la merveille mystique. Qui est donc meilleure que le véritable bâton artisanal, mais qui a un niveau plus élevé aussi que le bâton artisanal. Et donc vous allez faire vos crafts, vous allez faire votre premier bâton, puis après vous allez refaire la recette pour déverrouiller la merveille mystique, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à arriver à la rêverie scintillante. Et vous voyez que si demain vous dites, bon ben voilà, j'arrive à la fin du jeu, je veux essayer de pousser les statistiques de mon personnage via son équipement, je vais me faire une rêverie scintillante. Vous arrivez ici, et vous voyez que votre arme est niveau 43. Alors à savoir que quand vous synthétisez un objet, une fois que vous atteignez le niveau 99, vous ne pouvez plus mettre de composants dans cet objet, il est forcément stoppé et crafté. Peu importe la qualité des objets, les stats que vous avez sortis, etc. Vous ne pouvez pas monter au-dessus de 99 pendant la synthèse. D'accord? Donc déjà ça c'est un premier point qui vous bloque. Ensuite vous voyez que pour créer le bâton, on me dit que je peux mettre 12 ingrédients maximum dans le schéma de construction. Alors on peut faire le tour rapide. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11. Vous avez un équipement supplémentaire à mettre une fois que vous voulez tout déverrouiller. Et ça, c'est en espérant que vous avez à chaque fois des matériaux surpétés de synthèse qui vont vous permettre de déverrouiller plusieurs nœuds du patron, ou qui vont déverrouiller, par exemple, là, les PV plus 10 en en mettant 15, par exemple. D'accord? Pour que vous puissiez avoir un bâton quand même potable avant d'arriver niveau 99. Donc il y a deux déjà problèmes quand vous voulez créer un objet puissant si vous partez du patron de base. Sauf que quand vous créez votre objet et vous le créez par rapport au premier, vous faites votre véritable bâton arsenal. Vous avez déjà déverrouillé tout ça, d'accord?
Et vous vous dites, bah tiens, je vais faire un véritable bâton artisanal. Vous voyez qu'il est niveau 4. Vous voyez que ma rêverie sentiente est niveau 43. Si je pars du principe que je veux une rêverie sentiente puissante, donc avec un niveau le plus bas possible, vous avez la possibilité de le faire par rapport au premier craft. Je vais vous montrer. Vous prenez votre véritable bâton artisanal, d'accord? Vous commencez à le faire, là il vous demande un lingot, vous mettez un lingot. Il vous demande, donc vous voyez, attendez, vous voyez que là il vous demande 12 quantités maximum de matériaux, regardez bien, c'est important, 12 matériaux maximum pour créer votre bâton, d'accord? Donc là vous mettez un lingot, hop, déverrouillez le nœud, donc on s'en fout des éléments que je mets pour l'instant, c'est pas important, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Vous en mettez un deuxième ici, ok. Et vous mettez un troisième ici. D'accord. Là, c'est bon, vous avez déverrouillé les nœuds principaux de votre bâton. Mais vous voulez aller chercher, vous, celui d'en haut. Celui que vous allez faire avec la recette cachée, le bâton avec du Star Job. Donc, vous dites, bon, bah, ça y est, j'ai déverrouillé mes nœuds. Hop, là, il me demande quoi? Il me demande ça, je le mets. Là, il me demande du feu. On le met aussi. Et vous arrivez à débloquer votre recette secrète. Vous voyez que la quantité de matériaux a baissé, forcément, vous en avez utilisé. Hop, vous êtes à 6 matériaux. Paf, vous avez créé votre bâton. Tac, moi en tout cas, ce que je faisais pendant l'aventure, c'est la recette merveille mystique a changé, exécuter la synthèse, je mettais oui. Parce que je me dis, bah, si je mets non, ils vont me renvoyer au patron précédent. Sauf que non. Si vous mettez non, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous arrivez sur le patron de votre merveille mystique. Et il y a deux choses qui changent. Vous avez toujours un niveau 4 pour la merveille mystique. Et vous avez une quantité d'objets qui est passée à 12, qui n'est pas restée à 6. Vous avez augmenté votre quantité d'objets pour crafter. Et vous avez un troisième point qui est intéressant, que je vais vous montrer. Mais déjà, rien que ces deux-là changent beaucoup la donne. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir re-augmenter les composants que vous allez pouvoir injecter dans votre patron. Et vous avez un niveau très bas qui va vous pouvoir d'augmenter aussi jusqu'à 99, ça va vous donner une plus grosse marge quoi de progression. Donc vous avez débloqué votre merveille mystique, mais pour vous c'est pas assez, vous voulez encore aller chercher celui qui est en haut. Donc vous voyez, là vous tombez sur une recette, tout ce qui est plus basique. Vous prenez, vous arrivez ici, il veut de la terre pour passer, vous y mettez. Et là qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'en ayant fait le patron du dessous, je ne suis pas obligé de remettre trois objets ici pour déverrouiller les nœuds de fabrication de l'objet. Non, vu que je suis parti déjà du patron principal, j'ai plus qu'à commencer avec le nœud le plus proche de la recette, on va dire. Donc là, j'ai mis juste ici, je remets ici, hop, ça fait que deux composants, et hop, il me demande déjà de passer à la création suivante. Donc je mets un composant. D'accord. Souvenez-vous, on était à 12. Vous refaites la même manipulation. Voulez-vous créer? Bah bien sûr que non. Hop. Et regardez ce qui se passe. Vous avez encore un niveau 4 pour cette nouvelle construction. Et vous avez une quantité de matériaux qui est passée à 15. Vous avez encore augmenté votre pool de matériaux. Mais vous voulez encore aller chercher plus loin. On recommence. Là, il vous demande un peu plus de matériaux. Alors, je sais pas si j'aurai assez pour vous montrer jusqu'au bout. Final, parce que j'ai pas farmé, quoi, j'ai pas le temps. Hop, on débloque le gold, pas le gold de terre, l'arme azur. Voilà, voulez-vous exécuter la synthèse? Non. On est passé à 17 matériaux pour la construction. Le bâton est toujours niveau 4. Et là, vous pouvez. C'est où pour déverrouiller la recette? C'est ici. C'est ici, pour dévorer l'organe grandiose. Alors je vais essayer, si j'ai assez de temps, ça va être beaucoup plus parlant. Voilà. Là c'est quoi qui lui faut ça? Voilà, j'en ai pas assez, donc c'est une erreur de ma part, moi j'en ai 4. Non. Mais à la base, faites pas ça, c'est d'avoir le maximum de composants de haute qualité, pas avoir à doubler les composants. Bon, on arrive ici, paf, il demande ça, ok, je le mets. Et voilà, on est arrivé au dernier nœud, je mets toujours non. On est arrivé au dernier nœud, et là vous avez donc une quantité de 17, mais là c'est parce que je me suis loupé, normalement vous auriez dû avoir une quantité de 18 par exemple, pour pouvoir créer votre rêverie scintillante. Et là vous êtes arrivé donc au dernier niveau du bâton, avec 5, même 6 à la base, 6 composants supplémentaires par rapport à si vous avez pris le patron directement
de la rêverie scintillante, vous avez 6 matériaux supplémentaires à pouvoir mettre dans le bâton, une qualité qui est déjà 850, et un niveau qui est 10 fois inférieur au niveau de la rêverie scintillante. Ce qui vous laisse une marge de manœuvre pour mettre des composants de haute qualité beaucoup plus haute. Et à quoi ça va servir? Ben ça va servir que vous allez pouvoir booster votre rêverie scintillante avec des composants de haute qualité. Comment ça marche? Quand vous arrivez déjà sur un patron, vous avez vu que vous avez des nœuds. Sur ces nœuds, vous avez plusieurs statistiques. Par exemple, sur ce bâton-là, on va dire que la statistique qui nous intéresse, c'est rayonnement L. Si vous voulez savoir à quoi correspond, hop, vous allez chercher l'information, vous voyez que rayonnement S, M, L, XL. Rayonnement L augmente la récupération de charges fondamentales en fonction du niveau de tactique actuel et réduit le TA des objets fondamentaux. Ok, c'est super cool, surtout pour Risa. Et vous voyez qu'il y a un niveau XL, le niveau maximum. Mais vous voyez que vous, votre bâton, il va pas plus loin que le rayonnement L. Donc pour déverrouiller ce rayonnement XL, il faut utiliser une essence de la même, du même élément que le nœud. Par exemple là, en l'occurrence, c'est du feu. Vous utilisez une essence feu, et votre bâton peut aller chercher le rayonnement XL. Donc déjà ça, c'est important. Ok. Vous pouvez utiliser deux essences élémentaires, j'ai bien élémentaires, je compte pas les aurores, etc., les terres, deux essences élémentaires sur un bâton. Donc là, en l'occurrence, le rayonnement XL. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'attaque. Hop, là, c'est de la terre, je lui mets aussi. Vous n'êtes pas obligé de débloquer le nœud hein, pour le mettre, c'est important. Et j'ai débloqué, on attaque plus 15. Donc là, déjà, j'ai un bâton qui va être sublimé parce que j'ai son trait principal qui est au niveau maximum. Et j'ai réussi à augmenter l'attaque quand même jusqu'à plus 15. Déjà, ça, c'est cool. Deuxième particularité de ce craft, c'est que vous voyez que là, j'ai un condensé et qui me demande donc 17 composants. Vous avez fait les choses bien, je vais vous montrer après comment faire les choses bien. Et vous avez, par exemple, réussi à vous crafter 17 organes grandioses, sublimés avec des stats de fou que je vais vous montrer après derrière. Pour votre bâton en rêverie scintillante, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici et vous allez empiler, tout simplement. Sans chercher à déverrouiller les nœuds, pas pour l'instant, vous vous en foutez, vous cherchez pas à déverrouiller les nœuds. Vous allez empiler, donc ici vos organes grandioses, là j'en ai pris deux, mais vous avez compris le message, vous allez mettre vos 17 organes grandioses. Le niveau va pas monter, elle va toujours rester niveau 4. Ok. Et vous allez avoir 17 empilements d'organes grandioses. Et pourquoi c'est intéressant d'empiler et qu'est-ce que ça va faire d'empiler cet organe grandiose? Alors ça marche aussi avec le bois sacre noir, hein, c'est vous qui voyez. Mais pourquoi c'est intéressant de faire ça? Eh bien je vais vous montrer de suite. Hop, on va tout enlever, tac tac tac, voilà. Vous voulez faire votre bâton, vous savez les composants synthétiques qu'ils vont vous demander pour faire votre bâton. Et ici, vous allez synthétiser vos objets. Et c'est là que c'est important et c'est là où il faut faire attention à ce que vous synthétisez. Ce que je n'ai pas foncièrement fait, moi je l'ai juste fait pour essayer de voir si ça marchait. Vous allez vous synthétiser de l'organe grandiose, d'accord? Et sur cet organe grandiose, vous allez voir qu'il y a comme sur votre bâton, plusieurs éléments liés au nœud. Du patron de craft. Par exemple, quand vous arrivez au bout ici, vous avez synthétisement d'équipement, attaque vitesse plus 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça augmente l'attaque et la vitesse de plus 6 lorsqu'il est utilisé pour synthétiser des armes, armures ou accessoires. Donc ça veut dire que quand vous allez utiliser un minerai, organe grandiose pour synthétiser votre bâton, si vous avez réussi à débloquer votre plus 6, une barre va vous augmenter l'attaque et la vitesse de plus 6, une seule barre, d'accord? Donc déjà si on part sur un truc où on a 17 éléments, je vais en prendre que 10 pour nous faciliter la vie, mais ça va faire déjà 10, ça ferait 60 en vitesse et en attaque en plus de base des stats du bâton. Ok? Mais c'est pas tout. Vous voyez que c'est comme l'autre, il y a un attaque plus 7. Et que c'est exactement la même méthode que sur le bâton, il faut le déverrouiller avec une essence. Vous mettez votre essence. Paf. Vous avez déverrouillé votre attaque et vitesse plus 7. Donc là on passe déjà à 70 pour 10 barres. Ce qui est déjà pas mal. Sauf que c'est pas tout. L'organe grandiose aussi, elle vous donne la capacité d'augmenter la synthétisement d'équipement, donc pareil, de tout plus 6. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ça augmente toutes les stats de plus 6 lorsque c'est utilisé pour synthétiser des armes, des armures ou des accessoires. Mais vous voyez que c'est non applicable à la reconstruction d'objets. C'est bien noté. Ça ne marche pas sur la reconstruction d'objets. Et c'est pour ça que c'est important aussi, tout ce que je vous ai dit depuis le début. Mais vous voyez que vous pouvez aller chercher aussi le plus 7. Donc vous faites exactement la même chose. Une essence d'électricité, hop, j'ai déverrouillé mon plus 7. Et là, vous allez chercher après vous, dans votre craft d'organes grandioses, vous allez chercher à prendre le plus de choses possible, c'est-à-dire d'aller monter jusqu'à la de plus 7. Ok?
et tout ce qui vous intéresse aussi après, par exemple bah, la qualité si vous voulez, et normalement ça n'aura pas trop d'impact, vous allez chercher au moins ces deux trucs là, ce qui est très important, d'accord? Ça par contre c'est important aussi, l'emplacement de caractéristiques, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter l'emplacement de caractéristiques ajoutées à l'arme pour toute caractéristique supplémentaire, ce qui est aussi important. Donc vous avez fait votre organe grandiose, vous avez déverrouillé tout ça, vous êtes arrivé ici, vous avez déverrouillé ce truc plus 7, etc. C'est super cool, c'est génial. Pareil là-bas en plus 6, mais ne faites pas n'importe quoi. Vous voyez que sur votre organe grandiose, pour pouvoir passer les nœuds, vous allez utiliser des composants. D'accord, ces composants ont aussi des capacités, frappe sans pitié, bonne santé, charge de PV, etc., etc. Et j'en passe. Il faut pas négliger ça non plus. C'est-à-dire qu'il faut prendre des talents qui vont vous intéresser. Par exemple, puissance de stats, puissance d'attaque, puissance de compétence. Pourquoi ? Parce que si vous le faites, vous allez booster aussi votre bâton avec ces stats. Vous allez pouvoir choisir votre bâton avec des stats de puissance de stats maximum. Des stats puissance de compétence maximum, puissance d'attaque ou de vitesse maximum, ce qui viendra booster encore vos statistiques de l'arme par-dessus. Vous avez compris le truc, donc quand vous créez votre organe grandiose, vous essayez d'avoir les meilleurs composants pour vous créer une barre qui va être top moumoute, quoi, une barre premium de fou. D'accord ? Et une fois que vous avez créé cette barre pour votre craft, donc d'ailleurs, je voudrais vérifier un truc. C'est ici. Ouais, c'est pareil. Donc une fois que vous avez réussi à faire ça, bien sûr, vous n'allez pas refaire ça à l'infini parce que c'est chiant, que ça va vous demander des composants énormes. Mais vous avez réussi à faire votre barre la plus parfaite possible pour votre craft. Vous venez ici, vous allez sur duplication d'objets, vous prenez votre composant, là c'est n'importe quoi, hein, mais vous prenez votre barre et vous allez la dupliquer autant de fois que vous voulez pour vous crafter l'objet. Par exemple, si vous en avez besoin de une vingtaine, ben vous allez vous crafter 21 barres. Pourquoi 21? Comme ça, vous en avez toujours une de côté qui est parfaite pour si vous voulez vous crafter un objet. Ne cramez jamais toutes vos compos, vous allez devoir recommencer. Laissez-vous toujours une compo de côté. Vous faites ça, vous augmentez vos barres en dupliquant les objets, d'accord, en ayant farmé les gemmes que je vous ai montré comment faire sur ma précédente vidéo. Vous multipliez cet objet et vous allez ensuite l'utiliser sur vos statistiques. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que tout ce que je vous ai dit va se cumuler. Donc quand vous allez arriver sur votre dernier craft d'objet, en partant du début, je le répète, hein, faut partir du premier craft et arriver jusqu'à celui-ci. Vous allez arriver ici, vous n'allez pas déverrouiller ces nœuds, parce que ça vous vous en foutez, vous pouvez le déverrouiller après avec la reconstruction d'objets. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de booster votre bâton avec des statistiques pures, pour qu'il soit avec des statistiques puissantes. Donc vous allez prendre par exemple l'organe grandiose, il va vous dire bah, vous avez 17 places de matériaux, vous allez vous en foutre de tout ce qu'il y a autour, vous déverrouillez avec les essences, ce que je vous ai dit plus tôt, l'attaque et le rayonnement XL, vous y touchez pas, vous redescendez l'organe grandiose et là vous mettez toutes vos barres, vous mettez tout, vous mettez une, là c'est pour vous montrer que ça marche, 2, 3, 4, voilà, vous allez faire ça 17 fois, d'accord? Donc vous allez avoir 17 fois 7 en toutes les stats et 17 fois 7 en attaque vitesse. Rien que pour ce bâton. Donc on dépasse déjà la centaine, même plus en termes de statistiques. Ok. Et une fois que vous avez fait ça, vous terminez votre craft de rêverie scintillante. Et là, vous pouvez partir à la reconstruction d'objets. Et vous amusez à déverrouiller ensuite, parce que votre bâton il ne sera que niveau 4, donc vous ne serez pas bloqué par le niveau, vous pourrez tout débloquer. Et là, vous vous amuserez ensuite à débloquer tous les nœuds pour avoir les PV plus 15, le rayonnement XL que vous aviez déverrouillé avec l'essence par avant, l'attaque plus 15, les deux emplacements, les défenses, etc. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un bâton, parce que là du coup les composants n'augmenteront pas la statistique de votre bâton. C'est pour ça qu'on doit booster d'abord pendant le craft toutes les barres que vous avez, parce que là vous déverrouillerez que les nœuds, et il n'y a que les nœuds qui vous augmentera les capacités du bâton, pas les composants. C'est pour ça que c'est important. Et là vous aurez donc un bâton avec des stats extrêmement boostés que vous allez pouvoir encore améliorer avec quoi ? Avec ses caractéristiques, avec ses caractéristiques, c'est-à-dire
Vous voyez que bah, y a les bas, y a les stats, la qualité, les effets, et en dessous vous avez les caractéristiques. Donc vous, si vous vous démerdez bien, vous aurez les charges de stats à fond, la charge d'attaque à fond, et la charge de compétences à fond, ou la charge vitesse, ce que vous préférez pour votre personnage, à fond. Ce qui viendra en plus de ça encore sublimer le bâton en augmentant encore ses statistiques de base. Ce qui devrait vous rapprocher de stats beaucoup plus pétées que les miennes, hein, parce que moi j'ai fait ça à l'arrache. C'était juste pour calculer, voir si ça marchait, et que je puisse vous faire la vidéo pour vous montrer comment ça marche. Sans compter qu'après ça, vous n'allez plus qu'à aller chez Denis. Et chez Denis, vous mettez aussi des composants qui vous intéressent pour pouvoir augmenter encore les stats de votre bâton ou de votre armure ou votre accessoire. Et ça marche surtout, ce qui vous permettra d'avoir en fait un personnage avec des statistiques vraiment vraiment très boostées et pouvoir vous amuser à jouer dans la difficulté la plus haute en légendaire ou farmer tout simplement plus tranquillement ou vous amuser à faire un New Game Plus avec un personnage qui a des stats complètement pétés. Enfin voilà quoi, vous pourrez faire un peu ce que vous voulez. Moi je trouvais ça intéressant à partager avec vous parce que bah, c'est toujours bien de voir pas les petites failles mais plutôt les limites que les développeurs nous laissent atteindre avec leur jeu, d'essayer de trouver comment améliorer, peaufiner notre personnage, ce qui est pour moi une partie intéressante d'un JRPG, d'un RPG ou de tout autre jeu qui nous permet de le faire, même dans les jeux de stratégie. J'aime bien trouver un petit peu des fois des trucs sympas, alors qu'on s'entende bien, quand c'est un peu trop casse-tête, c'est pas la peine, mais là en l'occurrence, je trouve que c'est quand même assez sympa, vous n'êtes pas pressé par le jeu, vous pouvez le faire de temps en temps, d'un côté vous allez farmer vos premiers équipements de synthèse, puis après vous allez farmer vos premières barres, etc. Et vous allez pouvoir faire un stuff qui est assez conséquent en termes de statistiques. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo récapitulative là-dessus. Je vais revoir avec vous les points importants. Donc, pour faire ça, il faut déjà que vous sachiez le nombre de composants que vous avez besoin pour crafter votre arme idéale. Là, en l'occurrence, pour moi, c'était le bâton de Risa, la rêverie scintillante. En sachant que vous partez depuis le départ. Donc il faut partir depuis le début, il ne faut pas vous crafter que ce que la rêverie scintillante a besoin, il faut partir là-dessus, il faut vous demander des barres différentes de rêverie scintillante. En sachant que de toute façon, si vous arrivez à vous faire un minerai qui a tous les éléments, feu, éclair, etc., vous pouvez l'utiliser depuis le départ, hein. Ça ne posera pas de problème, eux ils s'en foutent, ils vous demandent juste les éléments. Donc, farmez le nombre de composants que vous avez besoin pour créer vos objets de synthèse. Calculez le nombre d'objets de synthèse que vous avez besoin pour pouvoir crafter depuis le début. Votre arme jusqu'à la fin, ok. Ne pas se tromper pendant que vous faites le patron, ne pas mettre oui à l'étape du déverrouillage de la recette du dessus. Mettez bien non pour pouvoir continuer. Quand vous avez fait ça, ne pas trop booster en termes de matériaux pour pouvoir vous laisser le plus de quantité de matériaux possible à la fin, à la toute fin, au dernier patron. Faire ça jusqu'au dernier. Une fois que vous arrivez au dernier, déverrouiller avec les essences, les nœuds qui vous intéressent pour déverrouiller le niveau maximum des statistiques, ok, et booster avec le matériau que vous avez réussi à crafter de bonne qualité, ce qui va augmenter les statistiques de votre arme de base. Sans déverrouiller les nœuds du patron, ça vous le ferez dans la reconstruction d'objets. Et pour ça, bien sûr, vous passez d'abord par la synthèse des objets qui vous intéressent et la duplication d'objets de ces synthèses par ce deuxième objet d'alchimie. Voilà pour ce qui est du récapitulatif de l'arme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. Si ces vidéos vous intéressent, des petites astuces comme ça, bah dites-moi le aussi. Moi j'aime bien partager ces astuces avec vous, c'est sympa. Pour ceux qui ne le savent pas, bah, ça les aide. Pour ceux qui le savent déjà, bon bah forcément ça vous sert à rien. Mais moi personnellement je ne le savais pas, j'ai fait des tests, c'est ce que j'aime bien faire. Et j'ai vu que ça marchait. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager avec la communauté de ce jeu quelques petites infos. En tout cas, moi je vous laisse là pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, salut!